Cupidon a-t-il frappé de sa flèche les cœurs de Denitsa Ikonomova et Laurent Mestret ? Ce ne serait pas la première fois qu'un couple formé sur le parquet de danse avec les stars transformerait l'essai dans la vraie vie. Et ce ne sont pas Alizé et Grégoire Lyonnais qui diront le contraire. Il y a quelques semaines, des rumeurs d'idylle entre Laurent Mestret et Denitsa Ikonomova ont vu le jour. De plus en plus insistantes. La cause ? Le binôme de la 7e saison, qui avait brillamment remporté le trophée en 2016, a été vu ensemble profitant à fond des derniers feux de l'été sur un bateau en compagnie d'autres danseurs de l'émission, parmi lesquels Catherine Apatchette et Maxime de Rémé. Une complicité qui a ravi leurs fans, plutôt heureux à l'idée de les savoir roucoulant de concert. Dans une story datée de ce mercredi 22 septembre, Laurent Mestret a toutefois tenu à rétablir la vérité sur leur escapade estivale. En story, le jeune homme qui vient de participer avec Claude Dartois, Dorian et Alexandre, tout candidat de Koh-Lanta à une course au bénéfice de l'opération mécénat cardiaque, a pris quelques minutes pour un question-réponse en story. Un ou une abonnée, eux, a simplement déposé un commentaire dans lequel on pouvait lire « Tu fais un super couple avec Denitsa ». Le sémillant brun s'est alors empressé de briser les rêves de son interlocuteur. « Ah, désolé de vous décevoir, mais je ne suis pas du tout en couple avec Denitsa. » »« Ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux est totalement faux », a-t-il complété. Clair, net, précis et sans bavure.